Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Immuable ». Et par suite, c'est d'une alliance meilleure que Jésus est devenu garant. De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre parce que la mort les empêchait de durer. Mais lui, du fait qu'il demeure pour l'éternité, il a un sacerdoce immuable. Hébreux 7, versets 22 à 24. Il n'y a pas beaucoup de choses immuables. Presque tout change et pas nécessairement pour le mieux, comme le prétend la philosophie évolutionniste. La preuve la plus évidente se trouve dans l'existence même du péché. Il est toujours présent chez les gens, leur faisant du tort et les détruisant. C'est pourquoi non seulement la mort du Christ, mais aussi son intercession sont devenues nécessaires. L'immutabilité est la propriété particulière de l'éternité, dit Marcel Fussin. Étant donné qu'elle est la capacité à ne pas changer ou l'impossibilité pour une entité de changer dans son essence ou dans ses propriétés. Le péché et la mort semblaient être des ennemis invincibles. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans un conseil de paix antérieur à l'apparition de ces mots, ont créé un plan de salut. Le Fils s'est offert à une mort volontaire en substitution à la race humaine pécheresse. Il serait à la fois sacrifice et sacrificateur. Sa vie immaculée, sa mort et son intercession allaient permettre de vaincre la mort causée par le péché et de rendre possible la restauration définitive des pécheurs. Le sanctuaire terrestre illustre le ministère du sanctuaire céleste, immuable, inaltérable, sans commencement ni fin, universel et permanent en Jésus-Christ. Il est incessible, non délégué à un successeur, constant, pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Cette intercession n'était pas possible par l'intermédiaire du sacerdoce aaronique. Tous les prêtres, y compris le souverain sacrificateur, étaient remplacés par une succession héréditaire. Éléazar a succédé à Aaron comme souverain sacrificateur, Phinéas à Éléazar, et ainsi de suite de père en fils jusqu'à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Selon Joseph, cette succession s'est répétée 83 fois. Seul le Christ pouvait intercéder tout le temps, car lui seul vit tout le temps. C'est pourquoi Paul dit que c'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait. Le verset 26 en parle. Car en raison de sa divinité, humanité, qui lui permettait de servir de médiateur entre les pécheurs et Dieu, il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même, comme les souverains sacrificateurs aaroniques. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau. Il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Jésus est qualifié pour nous sauver par son sacrifice parfait sur terre et sa parfaite médiation dans le ciel. Face à cet amour inaltérable et immuable, nous sommes les seuls à devoir changer. Si vous le lui permettez, il s'en chargera aussi. Amen.